T'es en retard, Benson. Je sais, Stenmark, mais au moins je suis là, alors laisse-moi passer. Ouais, t'as plutôt intérêt à ce que les infos soient bonnes. Parce que sinon, ça va barder. C'est ça, on lui dira. Si t'as un problème, t'en parleras au patron. Maintenant, ferme-la et viens. Parle-moi autrement, la bleue. Ça fait 3 semaines que t'es là et franchement, tu nous as pas servi à grand-chose jusqu'à maintenant. Donc un conseil, tiens-toi à carreau. Compris ? D'accord, c'est bon. Range ton arme, on n'a pas le temps pour ça. Et t'as bien de la chance. Benson, arrête avec ce foutu ascenseur. Il fonctionne pas. T'es débile ou tu le fais exprès ? Je pencherais plutôt pour la deuxième option. Ok, Jody, à la prochaine vanne de merde, je ne discute plus, je te descends. Et tant pis pour Greyman. Oh, tout de suite. Bon, allez, on y va. Tiens, tiens. Notre petite Jody Benson se décide enfin à nous faire l'honneur de sa présence. Si t'as un problème, t'en parles au boss. En attendant, fous-moi la paix, Lawrence. Oh, mais je l'ai vexé, on dirait. Ethan, la ferme. Benson, c'est la 3e fois que t'arrives en retard. Tu sais ce que je t'ai dit. Déjà que t'as l'air un peu trop naïve et tête en l'air sur les bords, au prochain écart, ça ne passera pas. J'espère avoir été assez clair. Très clair, patron. Bien. Maintenant, les infos. Alors voilà comment ça va se passer. Comme on le sait déjà, le bâtiment est plutôt grand et surtout bien gardé. Le but, c'est de se rendre au sous-sol, car c'est là qu'ils entreposent la plus grande partie du fric, derrière des portes à côtes contrôlées à distance. Ça, on le savait déjà. La ferme ! Continue, toi. Donc, d'après mon analyse du terrain, j'ai remarqué qu'il y a toujours au moins 2 gardiens par porte. Si vous voulez faire discret, je vous conseille de passer à l'action vers genre 3 ou 4 heures du mat. C'est sans doute le meilleur moment pour buter facilement les gardes. Et qui te dit qu'on veut faire discret ? Si tu veux te faire cramer en plein jour, libre à toi. Et en ce qui concerne les flics ? T'en fais quoi de ce petit détail ? Eh bien, justement, si on se débarrasse rapido des gardes, ils n'auront pas le temps de les prévenir, et ça laissera le champ libre. Ouais... Ça me paraît un peu bancal, ton plan, la bleue. Je suis là que depuis 3 semaines, tu t'attendais à quoi ? Eh, si vous voulez mon avis, je crois que c'est pas le moment pour une bagarre. On s'est déjà réunis en petit comité parce que d'autres veulent encore buter Benson, alors ça serait bien qu'on évite de s'entretuer tout court. Ah non, mais j'ai rien dit, moi. Bon, c'est fini, oui ? C'est vrai que t'aurais pu être un peu plus précis sur les horaires, Benson. Malgré tout, c'est déjà mieux que rien. On agira dans 2 jours. Le temps de vérifier si c'est pas du pipeau, et pour choper une plage horaire un peu plus... précise. Bah, c'est vous qui voyez, patron. Moi, j'ai juste fait mon boulot. Ouais, c'est ça. Maintenant, dégage. Demain soir, même heure. Avec le reste des glandus pour discuter du plan d'attaque. Oui, chef. Bon, tout s'est bien passé. En tout cas, j'espère qu'ils se décideront vite. Mais bon, au moins ça s'est confirmé. J'ai plus qu'à envoyer ma position et à me planquer. Mission accomplie. Passe vite. Où tu crois aller comme ça, McFlynn ? Quoi ? Je vois pas de quoi tu parles. Mais oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es toute pâle d'un seul coup ? C'est bien ce que je pensais, petite fouineuse. Une fille qui débarque de nulle part avec des motivations bien à elle et des informations plus que conséquentes. Suffisamment en tout cas pour que cet abruti de Leroy te teste. Ça aurait pu être convaincant. Seulement... on me la fait pas, moi. J'ai fait mes recherches et je suis plus que certain que Jody Benson n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que non seulement elle n'est référencée nulle part, mais qu'en plus son pseudo-dossier, une fois craqué... donne sur celui de la personne se tenant en face de moi, celle qui a tenté de nous rouler depuis plus de 3 semaines. Joanna McFlynn. Ah ! Grimpe, dépêche ! Ah !
Ça va ? Oui. Merci. Il s'en est fallu de peu. Heureusement que j'étais dans le coin. Mais... comment t'as fait pour arriver aussi vite ? Normalement, le point de rendez-vous est au moins au quartier d'à côté. L'alerte d'urgence des implants qui analysent les fréquences cardiaques. J'étais censée t'attendre comme convenu, mais ça s'est déclenché à l'endroit précis où tu étais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il te voulait quoi, ce type, pour que tu stresses d'un coup ? Joe ? C'est compliqué. Quoi ? Joe, ce mec allait te tuer ! C'est quoi son problème ? C'est un membre du gang ! Qu'est-ce qu'il te voulait ? Il sait. Quoi ? Il... ah ! Merde, c'est quoi ça ? Non, Morgan, c'est lui ! Il est encore vivant ! Accroche-toi ! Ah, mais il va nous lâcher ! C'est ma faute ! J'ai tout foiré ! Hein ? Comment ça ? Ne me dis pas que... comment il t'a appelé ? Joe, réponds-moi. McFlynn. Oh, bordel. C'était pas prévu, ça. Bon, on rentre au QG de toute façon. Donc le mieux, c'est d'en parler à Maureen au plus vite. Vite, il nous rattrape. T'inquiète pas, j'ai déjà affronté plus coriace que lui. Prête pour le record de vitesse ? Mais t'es malade ? Rectification, je te sauve la peau. Maintenant, tiens-toi bien, ça va secouer. Putain, je me demande c'est quoi le pire ? Buté par un malade d'une balle dans la tête ? Ou par sa coéquipière d'un accident de la route ? C'est ça, arrête de t'inquiéter pour rien. Tu es plus en sécurité avec moi ici plutôt qu'avec ce type. Eh ben, regarde la route, s'il te plaît. Mais bordel, il va nous lâcher, oui ! J'ai jamais pu blairer ce type. Quand il a quelque chose en tête, il est pas prêt de lâcher prise. Comme un loup. Et il nous a pris pour ses proies, je suppose. T'as pas idée. Bon, on verra tout ça au QG. En attendant, faut juste trouver un moyen pour qu'il nous lâche la grappe. J'ai pas l'intention d'écumer toute la ville comme ça. Faut le forcer à arrêter sa moto. T'as une idée ? Peut-être. La R, c'est toujours à l'arrière ? Oui. Oh, bien vu. Alors pour commencer, il faut la tirer dans une ruelle assez étroite afin de déployer correctement la herse, pour qu'il puisse se prendre les roues dedans. Pas bête. Je connais bien le coin. Je sais déjà où aller pour ça. Ok, je te fais confiance pour la suite, mais par pitié, ne va pas provoquer un accident. Mais t'as pas à t'inquiéter, je te dis. Je sais piloter quand même. Et encore heureux, sinon je serais pas ici avec toi. Allez, fonce ! C'est parti ! Tu ne m'échapperas pas, petite salope ! C'est encore loin ? Il faut vite qu'on y arrive avant qu'il nous crève un pneu. On y est presque. Attention, accroche-toi, ça va tourner sec. Une impasse. C'est bon, vas-y maintenant. Ok. Hein? Oh merde! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.